Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte test de Onrush sur PlayStation 4. Édité et développé par Codemaster, sorti officiel le 5 juin 2018 et Peggy nous le déconseille au moins de 12 ans. Pas encore de notes sur les sites communautaires de jeux vidéo à ce jour. A savoir que Codemaster, peut-être que ça vous parle, c'est notamment les développeurs qui sont experts en la matière, en jeu, en termes de course, vu qu'ils sont à l'origine de la saga des Dirt, les jeux de rallye, ou même des jeux de Formule 1. Et c'est aussi eux qui étaient partis sur ce petit côté délire avec Fuel, le jeu de quad freestyle que j'avais testé sur PlayStation 3 il y a, mon dieu, je n'arrive même plus à compter les années. Et là on revient un petit peu dans le côté fun avec Onrush, qui est un MotorStorm-like, si je puis dire. Donc du coup, on va s'attarder brièvement sur le menu. Vous voyez déjà en haut à droite que je suis niveau 10, vous avez votre petite banderole. Et je m'attarde là-dessus car la vidéo va être du coup montée et je m'attaque à la présentation du menu après avoir enregistré en direct le gameplay. Donc ne vous étonnez pas si j'ai un plus bas niveau lors de mes courses. C'est juste que je préfère enregistrer ce qui est le plus fastidieux d'abord, avant de faire une brève présentation qui est du coup celle du menu. Vous voyez qu'il y a donc des caisses, on pourra faire des open cases, mais là je vais laisser du coup mon gameplay s'en charger. Vous pouvez personnaliser les véhicules, le pilote, ainsi que votre pierre tombale, c'est le petit logo que j'ai sur ma gauche. Pour les véhicules, qu'on s'y attarde un tout petit peu vu que c'est un petit peu le centre du jeu, vous avez 8 véhicules répartis en 4 catégories. Vous voyez, ces deux du fond sont considérés comme les poids lourds. Les voitures de rallye sont ici, les buggies sont là et les motos sont ici. A savoir que vous aurez chacun un bonus et un malus en fonction du véhicule que vous allez jouer. Les motards sont plutôt en pole position vu que par exemple la Blade, son Onrush, qui est une fois que vous avez activé votre boost, le boost vous le gagnez en faisant diverses choses, mais ça je vous l'explique durant le gameplay. Vous avez par exemple un sillage, genre un peu comme le film Tron en fait, et toutes les personnes qui se prennent votre sillage derrière la moto sont, sont butées tout simplement. Vous avez donc du coup aussi les buggies qui sont plus pour handicapés avec un autre style de sillage. Les voitures de course qui elles sont pour la rapidité, qui vont joindre un petit peu les motos en pole position. Et les poids lourds qui sont surtout là pour ralentir, ils sont pas là principalement pour buter les adversaires, vu que le jeu c'est du 5 contre 5 avec des ordinateurs par-dessus pour pouvoir faire des takedowns et gagner donc du boost. Ces véhicules-là sont plutôt pour handicaper, empêcher les gros véhicules capables de buter les véhicules de plus petite vie. Eh bien voilà, ils sont là juste pour les empêcher de progresser en pole position. C'est plus des véhicules d'handicap. On va pas s'attarder plus longtemps. On va directement lancer une game et voyons ce qui nous attend. Donc, c'est du lockdown. À savoir que le jeu est composé en fait de plusieurs type de jeu. Le lockdown, c'est une zone sur laquelle il va falloir que l'on reste le plus longtemps possible. À plusieurs, le chrono défile plus rapidement. Et en fait, c'est de la capture de zone durant une course. Vous allez voir, c'est un petit peu abstrait dit comme ça. Mais voilà, c'est du 5 contre 5. Et on va devoir, du coup, se mesurer aux autres. Il n'y a pas de ligne d'arrivée dans ce jeu. Et tous les modes du jeu d'Onrush sont faits pour récupérer des points ou compléter divers objectifs, tout en exterminant l'équipe adverse, parce que moins il y a de joueurs dans l'équipe adverse, plus il est simple de pouvoir arriver à compléter l'objectif. La zone, vous la voyez, c'est la zone verte qui est au fond, il va falloir se dépêcher grandement. Première chose qu'on peut noter, c'est que les graphismes sont pas dégueulasses. Si vous avez la chance d'avoir une PS4 Pro, mais que vous n'avez pas un écran 4K, eh bien le jeu vous proposera de mettre une priorité sur le framerate au détriment de la résolution et inversement. Si vous avez un écran 4K, la question ne vous sera même pas posée. Dans ce jeu, vous êtes percuté une fois, vous avez l'écran qui vacille, et si vous êtes touché une deuxième fois à ce moment-là, là vous êtes directement explosé tout simplement. Vous le voyez en haut, la zone est capturée enfin. Le cooldown était en train d'arriver à zéro, nous avons un point et c'est 8 zones à capturer et la course ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas 8 captures de fait dans le jeu.
je vous le dis une fois de plus, voilà, graphiquement franchement c'est sympa et c'est cool de la part de Codemaster d'avoir un espèce de petit retour au fun. On était, enfin moi j'étais, j'avais grandement apprécié Fuel, le jeu de quad, et ils sont plutôt dans les jeux style sérieux, comme je vous ai dit, avec les jeux de rallye ou les jeux de F1, et des jeux un peu arcade, ils n'en font pas assez je trouve, et pourtant ils sont très très doués dans ce style là. Deuxième zone capturée, ça va assez vite, je crois qu'on leur met un peu une tôle. Comme je vous ai dit, voilà, des sauts, des takedowns, de rouler près des arbres par exemple, de prendre des circuits à risque, vous fera monter votre petite barre de boost qui est en bas. Plus vous continuez d'activer votre boost, plus ce cercle en bas qui est à 95% monte. Une fois qu'il est à 100%, vous activez votre on-rush qui est le coup spécial de votre véhicule. Moi, pour mon buggy, je laisse en fait un sillon derrière qui fait déraper les joueurs. Je vais voir si j'arrive à en toucher un. Après aussi, quand je suis en sillon comme ça, je démonte aussi. J'ai une grosse barre de résistance et je fais d'énormes dégâts, vous avez pu le voir. On va rester dans la zone. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est du 5 contre 5. Les ordinateurs sont les véhicules en noir, exprès pour faire du takedown facile et se reprendre du boost. On ressent bien le style un peu MotorStorm dans le jeu. Et ça, qu'est-ce que ça me manquait depuis la PS3. Comme je vous ai dit, voilà, on est dans le jeu de zone, mais il n'y a pas que ça. Vous avez par exemple aussi le mode Switch, le mode Overdrive, le mode Countdown. Je pense que je ferai une deuxième course histoire de vous montrer un autre mode que celui-là. Ce serait un petit peu bête de montrer juste un simple mode. Alors que bon, on est plus pour de la découverte. Autant en montrer deux, ce sera déjà pas mal. Il m'a broyé le bâtard. Broyé, qu'est-ce que c'est? Broyé, c'est en gros quand vous avez... Quand vous avez quelqu'un qui saute au-dessus de vous et qui vous atterrit en fait sur la carrosserie, ben vous êtes directement broyé. Et ça c'est assez chiant, enfin c'est un peu humiliant en fait dans ce style de jeu. Donc oui, clairement je me suis fait humilier. Ah là là, on était à une seconde de reprendre la zone et d'avoir notre cinquième. Vous voyez, ça descend. Ouh là, le sillon, quel bâtard! Le sillage de flamme, vous voyez, on s'est pris le truc à la Tron de la part de la moto, et il a très très bien joué de prendre du coup le tremplin et de réduire du coup l'écart sur le tremplin. Bon, on va perdre cette zone aussi. Vous pouvez après choisir n'importe quel véhicule une fois que vous êtes mort. A savoir que le boost là où vous l'avez laissé, vous allez le reprendre en rechoisissant le véhicule. Admettons, j'active un on-rush, il me reste encore 33% de mon on-rush, mais je meurs durant mon on-rush. On récupère le véhicule à 33% de ses capacités pour le cooldown du rush. Donc ça c'est sympa, on n'y perd pas réellement, donc ça c'est plutôt bien. Et il y a certaines motos là, quand elles atterrissent, elles font une zone d'AOE. Ça c'est les deuxièmes motos, c'est celles qui ne font pas le sillage de flamme derrière. Et c'est assez bâtard vu que là elles font assez mal quand elles sont dans les airs quoi directement. Si ce n'est pas l'attaque broyée qui vous tue, ce sera sûrement la zone. Oh, putain. La zone d'AOE de ces motos qui le fera. Donc voilà, chacun a son point positif et son point négatif. Bonus, malus, et c'est assez sympa parce que ça complète vraiment, ça ajoute un aspect un peu compétitif MME. Qui est vraiment en fait une nouveauté en fait dans ce jeu. Il y avait un jeu aussi dans ce style qui s'appelait aussi Blur. Je sais pas si vous voyez de quel jeu je parle. Vous voyez un petit peu les jeux à la Mario Kart, ben vous rajoutez une pointe de réalisme avec des vrais véhicules et des pièges, des attaques que vous pouvez récupérer sur la route. On avait un petit peu du coup ce style un peu compétitif de avec les attaques on peut reprendre l'avantage, sauf que là voilà, on a vraiment un véhicule précis qui a son attaque à lui et du coup c'est à nous de faire la diff et d'apporter notre touche à l'équipe pour gagner ben, notamment ces zones dans cette course. La bande de son est assez sympa. C'est la jouabilité en plus, c'est vraiment un truc de fou. C'est d'une simplicité enfantine. R2 pour accélérer, L2 pour freiner. Rond, vous avez le frein à main. Croix, le boost. Franchement, c'est très très enfantin. Alors là, il y a cette zone. On va essayer d'aller la choper. Sans essayer d'être trop loin. Putain, les aveuglements là. Ça c'est les poids lourds qui laissent des trucs aveuglants. Par contre après vous pouvez être happé par votre propre vitesse, hein. Il est parfois impossible de rediriger le véhicule si vous n'avez pas de boost pour par exemple reprendre un petit peu l'ascendance sur la route.
Vous allez grave déguster. Non, là, voilà, j'ai quand même perdu la zone parce qu'ils étaient plus nombreux que moi. Parce que, voilà, il faut qu'il y ait un nombre égal de joueurs sur la zone pour que le chrono arrête de défiler. Sauf que moi, j'étais seul face à, je crois, 4 autres adversaires. Et merde, 4 autres adversaires. Vous voyez, ça ne s'arrête pas. Bon, j'ai bientôt le home rush de mon vortex. 6 zones sur 2. Ça reste quand même très très dynamique comme jeu, et ça manquait un petit peu sur PS4. A savoir que ce jeu est aussi sorti sur X1. Ok, donc là il reste une zone, et je vais tenter de faire quelque chose. Je me suis mis donc du coup le boost pour y accéder, et là je suis en pole position, j'ai personne devant moi. Et je pense que, voilà, les derniers points peuvent être gagnés comme ça. En fait ma technique c'est simple. J'essaie de prendre de l'avance sur tout le monde, en fait. Là, on va tenter de prendre... Bon, enfin, peut-être que, du coup, ma technique va marcher. Oh là. Non, je vais un petit peu... ouais, je suis un petit peu trop loin, même si... en freinant... Ouais, non, la zone a pris un autre passage. Donc, vous savez ce qu'on va faire, hein ? Ils vont peut-être la prendre... Non, ils l'ont pas pris. Ils se la disputent avec les oranges. Donc, la zone va arriver sur la gauche. Et elle n'est même pas arrivée, donc je suis vraiment devant. Donc voilà, on va faire cette technique-là, en espérant que ben, mes collègues ne la prennent pas. Voilà. Bon, là, je suis vraiment devant, vu qu'ils se disputent la zone, vous voyez. La zone est perdue, ce qui fait que la zone apparaît près du premier joueur, celui qui est en pole, donc moi. Ce qui fait que là, tous les gars de l'équipe orange, ils sont derrière. Et là, je suis tranquille pour aller prendre la zone. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez là où je voulais en venir? Du coup, je suis vraiment devant, et là, j'ai personne pour m'empêcher de prendre cette zone. Et là, maintenant, il faut que je croise les doigts, 5 secondes à tenir, et on a gagné. La technique de bâtard de la pole position, c'est juste génial. Ah, c'est trop trop drôle. Ça, il y a peu de gens qui le font encore, mais c'est des petites techniques d'adaptation, et ça, c'est vraiment, vraiment trop fait. Bon, on va pas s'arrêter là, du coup, on va... Oh, ils sont plus MVP, ma gueule. On va faire un autre... on va faire un autre match... enfin, une autre course pour voir... en quoi ça consiste, tout simplement. Donc vous voyez, voilà, le MVP qui est en style de podium. Les médailles qui vous font gagner de l'XP. On peut gagner des open case. Et après, ça c'est drôle, ça offre des skins pour les personnages, les voitures, des figures qu'ils peuvent faire sur les motos, des logos pour la pierre tombale. Le mode countdown. Donc, le mode countdown. C'est le fameux mode où est-ce qu'il va falloir se choper en fait des secondes. Vous voyez par exemple les doubles tiges dans lesquelles passent les skieurs par exemple dans les courses de ski tout simplement. On va avoir ce style là, matérialisé par deux grands néons verts de forme conique, cylindrique. On va devoir y passer dedans et ça va nous rajouter quelques microsecondes. Si on y passe à plusieurs, bien sûr, on peut arriver à des secondes. On démarre tous avec, je crois, c'est 25 ou 30 secondes, je ne sais plus. Et, alors, on va voir ça de suite. Ouais, 30 secondes. Et du coup, notre but est de rester ben, le plus longtemps, avec le plus de secondes possible, sachant que la première équipe qui arrivera à 0... Oh, c'est violent, par contre, là, ce que je prends. La première équipe qui arrivera à 0, ben, forcément, va perdre. Donc, vous voyez... On essaie de se maintenir, il faut forcément passer dans ces machins, et c'est là que mon véhicule peut faire une différence, même les motos d'ailleurs. Si j'active mon sillage pour faire vaciller les autres, eh bien là ça peut être sympa, parce que s'ils passent dedans, ils vont forcément se prendre mon sillage, et donc du coup ils vont éviter ces... bordel de merde, j'ai perdu complètement le contrôle du véhicule. Du coup, voilà, ils vont être obligés du coup de ne pas prendre ces portes-là et de ne pas prendre des secondes. Bon, là, par contre, on prend une sévère... Ouais, là on bouffe. Là, celle-là, on va la perdre. On va la perdre. Ouais. Bon. Ok. 1-0, c'est le premier qui arrive à 3. C'est 3 manches gagnantes. A savoir, donc, voilà, je vous parle du buggy et des motos, mais par exemple, si vous prenez une voiture de rallye, son on-rush, en gros, vous devenez limite imbattable, et le moindre coup que vous donnez à un véhicule, vous n'êtes plus obligé de donner deux coups pour le buter, un seul coup suffira, et vous allez démonter du coup votre... Oh là là là, ce que je l'ai mis. Et vous allez démonter du coup votre adversaire. Donc ça, c'est assez sympa, c'est beaucoup plus agressif. C'est pour ça que les voitures restent plutôt
milieu de course, vu que c'est un petit peu dur pour une voiture de course d'arriver à une moto, même si c'est censé niveau vitesse, les voitures sont la deuxième catégorie de véhicules la plus rapide du jeu. Moto en premier, voiture en deuxième, buggy 3 et les poids lourds en dernier forcément. Mais cette position et cette croissance de vitesse n'est pas laissée au hasard dans ce jeu, c'est forcément pour ajouter un avantage certain et un côté compétitif à la course qui nous montre tout simplement qu'on n'est jamais à l'abri en fait, peu importe la position où on se trouve. Il y en a un, il est passé sous moi, ce qui fait que je l'ai écrasé quoi, mais le mec c'est vraiment mal placé. Allez les gars, battez-vous quoi. Oh là là, on va la perdre aussi. Mon dieu, 2-0, et on se fait décalquer la gueule. Bon, on peut pas être bon partout. C'est sûr que la zone et les secondes, c'est pas pareil. Ça vous demandera en plus, forcément, hein, ça va jouer sur les points forts et les points faibles de tout le monde. Hein. Le countdown, c'est vraiment... Bordel de merde. c'est tellement violent ce qu'on se prend. Le countdown, c'est vraiment c'est de la course en fait. Donc ceux qui manient vraiment le mieux le véhicule sont vraiment avantagés dans ce jeu. Contrairement à la zone où est-ce qu'il faut plutôt jouer un petit peu physique pour expulser les gars de la zone, se placer tactiquement sur la course. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de ligne d'arrivée dans Onrush. C'est vraiment du MME en course sur différents types de jeux. C'est une grosse nouveauté, on n'avait pas trop ce style-là. Il y avait plutôt des styles quand on a du challenge où on se bat entre véhicules hors course. Ben on avait les modes un petit peu Road Rage à la Burnout, les Mario Kart pour trouver des pièges ou aussi réhabiliter avec le jeu Blur comme je vous ai dit. Ça se voyait un petit peu aussi sur le jeu Fuel précédemment développé par Codemaster. Mais celui-là c'est vraiment... c'est l'apothéose de ce genre en fait. Et pour ça, rien que pour ça franchement, je pense qu'il aura une bonne note si on vise là-dessus. Et que l'on ne mise pas un petit peu sur le laxisme après qu'il entoure d'un jeu de course. Oui, certes, il n'est pas sérieux. Il est beaucoup trop arcade pour être un jeu sérieux. Et j'espère que ça ne va pas lui porter du tort sur les sites de communauté. Sur les sites de communauté vidéoludique. Pour ma part, franchement, si je devais le noter à la vue de tout ce qu'il a à nous offrir, je pense que, selon moi, c'est un 15 bien mérité. Il faudra que j'en discute avec les autres développeurs rédacteurs de consolefun.fr, mais de mon côté, je lui mettrai un 14,5-15. Une fois qu'on est en Onrush, on sent vraiment que rien ne peut nous arrêter. Quoi. Si on la gagne celle-là, franchement, parce que je vois qu'on les tient, ce serait une remontada, là, hein. Il y a 2-1. Oh là 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 là, ce qu'il m'a mis, quoi. Comment te calmer, quoi, alors que t'as la confiance. Mmh. 10 secondes, ça se joue aux alentours. Broyé encore, je mène 3-1 pour un des joueurs. Putain, je vais être sa bête noire, je pense, dans ses stats. Ah là là, on est trop bas niveau seconde, on pourrait peut-être essayer de tenir, là on est beaucoup à passer dans les phases vertes. Ah, ça se joue aussi peu. Attention les gars. Ah non. Non, non, c'était... Ouais. Même moi j'aurais pas fait la diff en passant dans la dernière zone. Non, bon mais ils nous ont rincé pour celle-là, mais au moins ça vous aura permis de voir deux modes, des modes de jeu que nous propose Onrush sur PS4. Du coup, on va s'arrêter là. Je vais partir sur de l'opening case, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et ouais, 42. Ouais. Bon, moi j'étais dans le podium. Du coup, voilà. J'espère donc que ce gameplay découverte test de Onrush sur PS4 vous aura bien plu, en espérant du coup qu'il vous aura filé la hype de vous procurer ce jeu. Il coûte certes le prix fort dans les magasins, malheureusement, on est loin maintenant des jeux reboot qui coûtent maintenant entre 30 et 40 euros, non, 69,99, le prix d'un jeu. Et donc, du coup, j'espère que ce test vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, et à ciao !